ape kobenda makanisi ya ba député provinciaux pambate bangonde bazali banzengeneke lokola na kati ya ba province pona kulandela misala mike mimisi singeli ko salema na tina ya linaka otobiangi bongo programme ya kotombola 145 territoires ya ekolo Congo démocratique masolo mango mazali kofungwa maawa lelo na mokambi ekolo pe makosuka bongo lobby ya solo ezali mosala monene ne moyo mosimi ko salema na ngambo ya ba député provinciaux pambate bangonde bazalaka na kati ya bituka pe bangonde basingeli kulandela misala miso na lolenge ko salema pambate bazali bongo kopesa nzela tope kopesa deja misolo ni misengeli mpote misala miwana ya kotombola 145 territoires mikoka bongo kobanda na ntina na yango mukambi ekolo akana kibongo kosolola na ba député provinciaux ko benda makanisi mabango ko sensibiliser bango na ntina te tango misala ni wana mikobanda bango penza bazala sima pona kolandela yango pe bako kwa kopesa maboko abate ba territoire ya ekolo Congo démocratique esengeli bongo kotombwama na zongi sima loba epai na yo ndeko jusqu'à Tondio Botondi Ndeko Nadine, nous allons maintenant accorder la parole à Wivin Njata, Mbote, Nange, Mpangi, Wivin Njata, Awa Betokele na Assemblée nationale, Wapi ba député provinciaux, Kele na Kisalo. Ma tondo mingi pangi jiska kusema ba mpanga luzolo yo ke bon so bala ntete bukinzi ya ke bon so bala ntete ki kusamoni sabeto awa na sala ya congrès ki mona nzuelo kutakanu ya nene ya ki munisaka ba député na kusangisa ba mayeli na bao samu na kusosa kutumbula penza bisalu ya insi betazabisa na beno ti yo ke bon so bala ntete na kumona ti mfumu ya insi na kuisa sangi sabao na kusosa kusulula pe kuzaba kutombola bisalu na yemetela mingi manaka ya bisalu na kati ya ba territoire kama mosi na makumi iya na tanu beno fwa za batina bilumu meluta mfumu ya insi za bisaka ti bafwa na mbote kutombola manaka ya bisalu na yemetela ba territoire kama mosi na makumi iya na tanu apesaka nzila pe mbala yae bisalu yango bavandaka tete kutala yao manaka yango na kuzaba nini bafo na sala bisalu yango bubu yae kele lumbu bagi kusakutana na kusolola na ba député provinciaux mpamba vebe ntazabati ba député provinciaux ba kele mosi ya ke vandaka na bantu ke zingaka kisika ya nkangu kele na kati ba député yao ina bagi kusasangana jiska kusema meku mamtangu ya fumu ya insi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo zona kota. Voilà, on aperçoit déjà à l'écran les premières équipes du cortège présidentiel qui fait son entrée ici dans l'enclos du palais du peuple pour ce séminaire qui va ouvrir d'un moment à l'autre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sont réunis dans cette salle pour la toute première fois d'ailleurs. Les députés provinciaux, ils sont près de 750 députés. Il est vrai qu'on en a perdu trois qui venaient de la province d'Ikwilu et qui venaient justement répondre à cette invitation du chef de l'État disparu dans des moments tragiques. Voilà, ils sont donc ici, le président de la République qui fait son entrée. On aperçoit donc la limousine présidentielle qui amorce les derniers virages pour entrer ici au palais du peuple, des travaux comme nous l'avons dit, qui s'étalent sur 2 jours, qui s'ouvrent aujourd'hui sous de forme de panel. Donc il y a des experts du gouvernement et d'autres experts nationaux qui vont devoir parler de ce programme de développement de 145 territoires. Nous disions tout à l'heure que le comité d'accueil est déjà en place. On a vu les maîtres des lieux, donc le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui sont là et qui vont donc accueillir les présidents de la République. Pour revenir au contexte, on laissait... l'expérience tirée des 20 dernières années a montré une fracture en termes de développement entre les entités urbaines et rurales, et le président de la République voudrait justement mettre un terme à cette fracture à travers ce vaste programme de développement de 145 territoires. Voilà pourquoi il a voulu associer ceux qui vivent justement avec ces populations, ceux qui connaissent les problèmes réels de l'arrière-pays,
pays. Voilà pourquoi les 750 députés provinciaux qui sont ici, ils sont élus au suffrage universel, comme vous le savez, en même temps que le député provincial, mais eux, ils ont le pouvoir d'élire également les sénateurs et le gouverneur de province. On sait que les relations entre justement ces institutions ne sont pas toujours le beau fixe. On a vu tout à l'heure un mouvement lorsque quelques sénateurs sont apparus ici. Cette présence n'a pas du tout été bien appréciée par les députés provinciaux. C'est qui est normal. Voilà, le président de la République donc est en train de monter le marche pour céder ici au palais du peuple où se trouve tous les députés provinciaux. On a aperçu également des membres du gouvernement, surtout ceux qui sont commis à ce travail de sensibilisation. Nous allons donc voir les comités d'accueil qui est déjà dans les halls pour, voilà, le président de la République est déjà là. On a vu, voilà, le comité d'accueil. Le président de la République qui va passer dans ses bureaux parce qu'il en a ici avant de faire son entrée sous les acclamations de députés et provinciaux. Voilà, le président de la République est déjà donc dans la salle, et voilà la salle qui s'élève, et c'est par des acclamations que le président de la République donc va faire son entrée ici au palais du peuple pour ouvrir ses séminaire destiné aux 750 députés provinciaux. Donc l'objectif recherché par le chef de l'État à travers ces programmes est d'accélérer l'amélioration des conditions de vie des populations rurales longtemps abandonnées et de booster le développement de la République démocratique du Congo à partir de la base, conformément à sa vision marquée. Oui, voilà, donc le président de la République qui est entré dans la salle sous les acclamations. Nous parlions donc de l'objectif recherché par le chef de l'État à travers ces programmes, c'est d'accélérer l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. L'hymne national pour commencer ses travaux. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Honorables députés nationaux et sénateurs,
Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les membres du cabinet du chef de l'État, honorables présidents et membres des bureaux des assemblées provinciales, monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, honorables députés provinciaux, mesdames et messieurs distingués invités, faisant suite à la sensibilisation et appropriation du programme de développement local de 145 territoires par les gouverneurs des provinces lors de la dernière conférence des gouverneurs tenue à Kinshasa en décembre 2021, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, a jugé nécessaire que soit également organisé un séminaire d'information, de sensibilisation et d'appropriation du programme de développement local de 145 territoires de la République à l'intention des élus provinciaux qui constituent le maillon le mieux indiqué non seulement pour porter la vision du chef de l'État, mais aussi pour assurer la vulgarisation et garantir l'appropriation du dit programme par des populations locales bénéficiaires. Ainsi, la cérémonie de ce jour aura deux temps forts, à savoir le mot de bienvenue de Son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui sera suivi par le discours d'ouverture officielle du séminaire par Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages renouvelés, avec votre autorisation, le protocole invite Son Excellence, Monsieur Michel Samalou Kondé, Premier ministre et chef du gouvernement, à bien vouloir prendre la parole pour son mot de bienvenue. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé va donc prendre la parole d'un moment à l'autre pour souhaiter la bienvenue à ces 750, nous n'avons pas les chiffres exacts, mais c'est autour de 750 députés provinciaux. Ils représentent les différents territoires du pays et, comme l'a dit l'annonciateur, ils sont les mieux placés pour connaître les problèmes de population et faire le suivi de ce vaste programme. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Monsieur les chefs de corps constitués des institutions ainsi que de l'armée et de la police, honorables députés et sénateurs, membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les gouverneurs des provinces, honorables présidents des assemblées provinciales, honorables députés provinciaux, mesdames et messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités, tout protocole observé. C'est pour moi un honneur de prendre la parole ce jour pour vous souhaiter la bienvenue à l'ouverture du séminaire d'information et de sensibilisation ainsi que d'appropriation du programme de développement local des 145 territoires à l'attention des honorables députés provinciaux.
Je tiens tout d'abord à saluer la présence à cette cérémonie de Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a tenu à lancer personnellement ses assises. Ceci est une preuve de son engagement et de sa détermination à matérialiser sa vision à travers le programme de développement local des 145 territoires. Je voudrais ensuite souhaiter la bienvenue aux honorables députés provinciaux qui ont répondu promptement à l'invitation leur lancée. Ceci témoigne de l'intérêt qu'ils accordent à l'appropriation du processus du développement des communautés à la base. Avant de poursuivre mon propos, qu'il me soit enfin permis de saluer chacun pour avoir accepté de répondre à cette invitation malgré vos multiples occupations. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le programme de développement local dédié aux 145 territoires, PDL 145T en sigle, résulte de la volonté politique du Président de la République, chef de l'État, de vaincre la pauvreté et les inégalités sur toutes leurs formes. Il est adossé sur le pilier 5 du Plan National Stratégique de Développement, PNSD 2019-2023, dans son volet relatif au développement équilibré des provinces. Ce programme vise principalement à réduire les inégalités spatiales, redynamiser les économies locales et transformer les conditions et le cadre de vie des populations congolaises vivant dans les zones jusque-là mal desservies par les infrastructures et services sociaux de base. Il complète ainsi le dispositif de planification et de programmation déjà en place et s'inscrit dans les efforts en cours de lutte contre les inégalités territoriales, la précarité et la pauvreté multidimensionnelle auxquelles les populations rurales sont confrontées. Il y a lieu de préciser également que les activités opérationnelles du PDL 145T seront mises en œuvre sous quatre composantes, à savoir le développement des infrastructures socio-économiques de base, la redynamisation des économies locales et rurales, le renforcement de la gouvernance locale et le développement d'un système d'information géo-référencé pour le suivi du PDL 145T et d'autres programmes du pays. De façon évidente, il est attendu de la mise en œuvre de ce programme des effets immédiats, mais aussi à moyen et long terme des impacts réels perceptibles sur la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales, à travers notamment le développement de l'entrepreneuriat rural, la sécurité alimentaire et l'accès des jeunes ainsi que des femmes aux activités génératrices de revenus des populations rurales. Par ailleurs, il sied de souligner que le coût de ce programme est estimé à 1,6 milliard de dollars et financé principalement par les ressources propres ainsi que les fonds venant de nos partenaires à cet effet. Je voudrais ici rassurer toutes les parties prenantes
de l'engagement du gouvernement à disponibiliser le financement nécessaire dans les meilleurs délais. Le gouvernement compte également sur tous les partenaires au développement et tient à remercier ceux qui se sont déjà engagés à accompagner financièrement ce programme. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, avant de terminer, je voudrais faire une mention spéciale à vous, Excellences, Monsieur le Président de la République, et vous féliciter pour non seulement cette initiative, mais surtout cette première d'avoir nos élus locaux, nos députés provinciaux ici. Qu'il me soit permis, Excellences, Monsieur le Président de la République, au nom de toute l'assistance, de vous féliciter pour cette initiative et pour avoir ici, dans la capitale, c'est une première, nos élus locaux, nos députés provinciaux qui sont venus massivement répondre à votre invitation. Voyez en ces mots toute notre gratitude. Et pour clore mon propos, qu'il me soit permis de préciser, j'ai toujours cru qu'il y a du succès dans un programme que si les femmes et hommes engagés s'en approprient. Je sollicite donc l'implication de toutes et de tous pour atteindre les résultats attendus escompté dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. Je vous remercie. C'est par ce message d'appropriation du programme que le Premier ministre, chef du gouvernement, vient de terminer son mot. L'heure est venue de porter la parole au chef de l'État. Le protocole invite son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, à bien vouloir prendre la parole pour son discours d'ouverture officiel. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorables députés et sénateurs, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, honorables députés provinciaux, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je suis heureux d'être parmi vous ce jour pour procéder à l'ouverture de ce séminaire d'information, de sensibilisation et d'appropriation du programme de développement local de 145 territoires à l'attention des députés provinciaux. Permettez-moi avant tout de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, qui nous a permis de nous retrouver ce jour à l'occasion de ce séminaire. Je voudrais aussi saluer chacune et chacun de vous et vous remercier tous vivement pour votre présence distinguée en ce lieu. Votre participation
aux assises de ce jour constitue, s'il y a encore besoin de l'exprimer, le témoignage évident de l'intérêt que vous accordez au processus du développement de notre pays. Cette présence que je salue est néanmoins entachée par la disparition tragique de trois de nos compatriotes, députés provinciaux du Kwilu, dont la vie a été fauchée par un accident de circulation survenu alors qu'il se dirigeait vers Kinshasa pour prendre part à ses assises. Je saisis donc cette occasion pour exprimer ma compassion ainsi que mes condoléances les plus attristées à l'endroit de la province du Kwilu et des familles biologiques des disparus. Ainsi, pour honorer leur mémoire, je vous prie de bien vouloir vous lever et observer un moment de recueillement. Je vous remercie. Honorables députés provinciaux, comme annoncé en liminaire, ce séminaire offre une opportunité aux provinces que vous représentez de s'approprier ce programme de développement endogène qui s'appuie sur une approche décentralisée partant de la base. Il convient également de rappeler ici que depuis plus de 60 ans, malgré l'importance et la diversité de nos ressources naturelles, la position géostratégique de notre pays au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo peine à amorcer une dynamique irréversible de développement durable et endogène, lui permettant d'améliorer significativement les conditions de vie de ses populations. De même, en dépit de la mise en œuvre de plusieurs stratégies et programmes de développement de soutien à la croissance, les progrès demeurent faibles. En effet, plus de 7 Congolais sur 10 continuent à vivre sous le seuil de pauvreté multidimensionnel à ce jour, avec de fortes disparités entre les villes et le monde rural. Pourtant, c'est dans ce monde rural que vit la majorité de nos compatriotes qui sont le plus confrontés à la pauvreté multidimensionnelle et à de fortes inégalités socio-économiques. Par ailleurs, les phénomènes de corruption, des inégalités et des changements climatiques continuent à exposer notre pays à des risques systémiques de grande portée susceptibles de nous maintenir non seulement dans la trappe de pauvreté, mais aussi dans une instabilité institutionnelle et politique sur fond de gouvernance, de mauvaise gouvernance persistante. C'est dans le but de trouver une solution à ces problèmes que j'ai notamment initié le programme de développement local des 145 territoires. Ce programme se base sur une approche volontariste, financée principalement par les ressources propres, dans le but de permettre une convergence rapide des revenus et des conditions de vie entre les populations rurales et celles des milieux urbains. Je demeure persuadé que la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires constitue une opportunité à saisir pour changer rapidement et radicalement notre destin comme nation, en refondant notre État et en traçant de nouvelles perspectives pour notre peuple. En effet, relever ces défis est pour moi une entreprise de justice sociale qui contribuera sans nul doute à consolider
la stabilité sociale, la sécurité et la paix. Cette nouvelle approche de développement, centrée sur le monde rural, permettra certainement d'accroître l'efficacité des politiques publiques et d'impulser un nouveau management public à la base, à l'effet de réduire rapidement la pauvreté et les inégalités spatiales dans notre pays. Toutefois, la bonne exécution de ce programme est tributaire d'une donne non moins importante, celle de la stabilité de nos provinces. En effet, comme vous le savez, l'année 2021 a été le théâtre de nombreux troubles et déchéances, aussi bien dans les hémicycles provinciaux qu'à la tête des provinces. Tel que je l'ai mentionné dans mon adresse à la Nation du 13 décembre 2021 devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès, il est, je cite, « extrêmement important que pour chacun des acteurs provinciaux de prendre réellement conscience qu'aucun développement ne peut se faire dans pareil contexte de crise ». Fin de citation. Honorables députés provinciaux, je ne saurais clore mon propos sans attirer l'attention de la représentation provinciale, que vous êtes bien sûr, sur l'importance que revêt le séminaire de ce jour qui marque votre engagement à vous approprier le programme de développement local des 145 territoires. Ceci étant, vous êtes appelés à vous investir à la mobilisation de tous et à la solidarité nationale pour garantir le succès de la mise en œuvre du présent programme. Puissent les résultats attendus de ce programme contribuer à une meilleure redistribution de la richesse nationale, en particulier en faveur des populations vivant dans les territoires ruraux. Sur ce, je déclare ouvert le séminaire d'information, de sensibilisation et d'appropriation du programme de développement local des 145 territoires à l'attention des députés provinciaux. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voilà, c'est une allocution présidentielle de 10 minutes, riche en informations. Le président de la République qui a défini donc ce programme de développement des 145 territoires ainsi comme une approche. Prend fin la cérémonie d'ouverture de ce séminaire. Le protocole invite l'assistance à bien vouloir se lever pour saluer le départ de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Après une allocution de 10 minutes riche en informations, le président de la République s'apprête donc à prendre congé de députés provinciaux qui, eux, doivent rester ici pour poursuivre leurs travaux comme nous l'avons annoncé. Donc cette cérémonie d'ouverture marque donc la première étape de cette journée inaugurale pour aujourd'hui, parce que dans les heures qui vont suivre, il y aura plusieurs exposés qui seront fait ici par rapport au PDL 145T. Le premier module va justement parler en long et en large de ce programme et il sera animé par le ministre d'État, ministre au plan, Christian Mwando Nsimba. Il sera suivi par un autre ministre du gouvernement, c'est le ministre des Finances, qui va servir dans les halls de financement de ce programme de développement de 145 territoires. Il est prévu également d'autres interventions avec le ministre de Finances, avec M. Jean Mabi Moulumba, DG du BCECO, mais également le représentant du Conseil économique et social. Voilà donc ce que prévoit
le programme pour aujourd'hui. Pour revenir au discours d'ouverture du président de la République, le chef de l'État a donc défini ce programme comme étant une approche de développement centrée sur le monde rural et que sa réussite dépend aussi de la stabilité des provinces. Ça, c'est un appel donc qui est lancé à l'endroit de ces députés provinciaux parce qu'ils ont le pouvoir de garantir la stabilité des provinces car devant à chaque fois déchoir et voter le gouverneur des provinces. Nous allons faire un décryptage rapidement, d'abord avec Wivin Njata. Matunu mingi mpangi jiska kusema bampangi luzulu bime katua kulanda 15 ya nene mekatua kumonisa penza mfumi ya isi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya nini ya kina nganda kansi ya ime katua ntete na 15 ya kupesa nzila samuna lukutakanu ya nene ya yambala ntete kusa sangisa madepite provincio mpaba vena kusula na bau na kuzaba mtindu ya mbote ya kutumbula bisele metana mingi manaka ya bisele ya bateritua nkama mwusi na makumi ya natani ya ukile mbala ya ntete na kumona ntete mfumu ya luyalu ya Michel Samalukonde Kenge pesaka nzila na kuzabisa penza na kuzulila na badipite provincio kukwisa ya mbote pe uke mbala ya ntete na kumoniza bao na kukwisa penza po bave bakili musi ya kizingaka na nkangu na kata bizunga ya uina mfumu ya insi mikusa monisa mpe libanza na yandi na kumoniza pe na kuzulila bao nkizi ya mbote mekangula ya ububu yae ya nina kikota na ditoma samu na kukwenda mikusa monisa ba gouverneur ya mbanza Kinshasa pe njatini ngobila mbaka memonisa mtwalisi ya inzo ya kinzonzi Christophe Mboso Kodia pe mtwalisi ya disuku ya Zulu bachi lukwebo mikusa mwona pena kubikisa ina litoma samu na kwenda bao unyosu mikusa mwona na nkinzi ya bubu ya kisika wapi mfumu ya insi mikusa zulila bao mpe kukwisa ya mbote ntepe ya mikusa mwona minita mosi na kuindula moyo ya badipite provincio tatu ya kizunga ya kwilu baina mikusa kufwa na kisumbula na nzila samu na kuisa kuma awa mifuna zabati manaka visalu ya tatumbula bizunga nkama materitua nkama mosi na i makama mosi na makumi ya na tanu na kutumbula salum mena vana sababu bifuna sabati yoke manaka ya mtete penza na kusosa kutombola bisalu na mambo mingi na imetela kutunga malongi pe bisalu ya mutindo mutindu ya imekusa munisa penza ba député provincial na kusangana mfumu ya isimikusa zilawa unkizi ya mbote ya mepesa ndinga na Nadine Kabobi kukusa tendula pe na Lingala Boton jepai na yonde ko vivina touti komona mokambi ekolo yewana azali kozonga atiki ndako ya makita ya palais du peuple azongi pambate ayaki na mwangonga ya kopesa tope kopesa mingi penza kufungula masulu ya mokolo mwalelo oyo ezali kosangisa ba député provinciaux ba ibasengeli komikotisa ba ibasengeli kikoyeba nini esengeli kosala pe komikotisa mpote mosala ya kotombola ba territoire 145 kabongo kusalema na lolenge malamu mokambi ekolo azoki bongo maloba pe apesi makanisi maye na mobimba pona kulakisa ete ye penza alingi ba population ba bazali kobika na kati ya bituka bango babika ndenge moko na ba bazali awa na kati ya ngumba mokonji Kinshasa mingi penza ezali pona kutalisa ete alingi kokitisa motango ya pauvreté toba ya kokelela ya bubola na kati ya population ewana bazali baike na kati ya ba bituka ya solo ezali bongo ngonga ya malamu pe libaku ya malamu pona Felix Tshisekedi kotalisa ya solo makanisi maye pe koyebisa na ba député provincial basala mosala mwango balandela yango pote population baibazomi na kati ya bituka bango pe babika na ndenge ya malamu na baibazomi awa na kati ya ngumba mokonji Kinshasa. Merci beaucoup Nadine Kabobi, merci aussi à Wivin Njata et toute l'équipe technique. Avant de rendre l'antenne, nous voulons rappeler ici que nous étions en direct de la salle des congrès au Palais du Peuple où le président de la République a ouvert le séminaire d'information et d'appropriation du programme de 145 territoires. On retient que ce programme voudrait réduire la pauvreté, surtout en milieu rural, avec un financement de 1,5 milliard de dollars qui sont déjà disponibles. Il s'agit de moyens que le gouvernement de la République a mobilisés, mais aussi des partenaires. Les travaux vont se poursuivre aujourd'hui ici avec plusieurs interventions d'experts et des membres du gouvernement. Ils devraient se poursuivre également demain avant
d'être clôturé ici même au Palais du Peuple. Merci beaucoup pour l'attention que vous nous avez accordée. Merci à toute l'équipe technique de la RTNC. Et donc, merci à vous également, téléspectateurs qui nous avez suivis depuis le Palais du Peuple. Nous allons nous retrouver certainement demain pour clôturer, mais nous ne pouvons laisser l'antenne sans parler de la présence d'un des élus. Vous êtes questeur de l'Assemblée provinciale. De quelle province? Du Congo central. Du Congo central. Alors, vous vous retrouvez pour la première fois ici devant le président de la République. Cela ne s'est jamais produit depuis que les assemblées provinciales existent. Votre impression? Oui, d'ailleurs, nous félicitons les chefs de l'État.